gens, c'est cela. On se retrouve sur Crusader King 3 avec le grand roi de Grande-Bretagne. Oui. Salut Tekamon. Bonjour à tous. Et l'empereur. L'empereur de France, plus grand empire du monde. Le grand Féa. Salut Féa. Eh oui, c'est moi. Alors moi je vais très. Je crois que l'empire byzantin est, ou l'empire mongol est quand même pas mal. T'as pas une pièce d'or. À 24 000 hommes. Féa, t'as pas une pièce d'or. Non, de... là c'est la guerre contre l'empire Saint-Germain. File-moi des PO. Féa, file-moi des PO, s'il te plaît. Bon, on est des plus... PO. C'est plus dans le même empire. Hein. Il me faut des PO. Bah écoute, t'as pas une mine d'or là, quelque part en Afrique? C'est pas là. Ah oh là là, mon dieu. J'ai pas d'or, j'ai rien. Oh, une quatrième fille pour pas changer. Bah écoute, débarquons. Je retourne chez moi à Rennes. Du coup, on va booter un peu tous ces bandits là. Ah, ils sont quand même 6000. Ils sont quand même 6000. Ouais. Est-ce qu'on peut encore acheter des mercenaires? C'est vrai que j'ai des relations avec des hommes? Non, j'ai pas des hommes. Les actes pêcheurs ont des prix. Parce que j'ai le temps de tuer sa première troupe de réserve. Ah, ça pique, hein, ça tape, ça pique. Alors... Bataille de Combourg. C'est important de le noter. Très jolie ville. C'est là qu'a vécu l'écrivain Chateaubriand, si je dis pas trop de bêtises, tiens. Et voilà. Certainement pas généreux. Oh, je les ai explosés. Patiente, c'est très bien. On va lui trouver un héritier. L'intérêt de l'éducation. Martialité ou intendance, intendance, intendance. Voilà, conjoint. Puissance d'alliance. Oh, bah oui. Allez, chope l'armée. Bon, bon, alors. 12 000 hommes de chope, oui. Avec 32 000. Est-ce que je peux l'emprisonner, elle? Ouais, c'est parti. Plutôt que de l'assassiner, on va l'emprisonner. Je vous propose un mariage, mais c'est juste parce que votre petit bébé, il m'intéresse. Je suis parti à fond en tant que tyran, là. Ça rigole plus. Il est devenu vieux. Ah non, il est jeune en plus. Fiançailles entre un prince robot, mon héritier. En matrilinéaire, mon héritier. Ah, c'est ton héritier, ça? Oui, c'est mon héritier, ça. Elle avait une bonne tête, pourtant. Et voilà. Pourquoi on peut pas faire du chômeau ici? C'est pénible. Tour de guet, caserne. On va régler tout ça. Ça m'intéresse pas, donc finalement, c'est obligatoirement ces quatre-là. C'est qui, ça? Duchesse, encore, qui m'embête. En fait, c'est tout ça. Du coup. Là, par exemple, ça m'intéresse pas tout ça. Hop là. Et j'ai une fille. Super. Excellent. C'est déjà un bon début. Je rappelle que j'ai une petite sœur à marier. Elle a 10 ans. S'il y a moyen, mon empereur de France, de faire des gamins en reproduction, en urgence. C'est bon, je vais pas les pondre plus vite que mon nombre, mes gamins. Mais si. Attends, j'ai le droit d'avoir 10 000 hommes, là. Faut vraiment que je fasse des terrains de chasse partout. L'agriculture du désert. Résistance de cavalerie nucléaire, c'est pas mal. Terrain de chasse, agriculture du désert. Est-ce que ça m'intéresse plus que les pâturages au final? Non. En fait, taux de levée 1,3. Ouh, ça coûte de l'or de traverser l'eau, hein. Punaise. Et l'agriculture du désert. Ah bah oui. Ça pique. 14 mois. C'est pas mal. Et ils sont en train d'attaquer Rennes. Y a pas moyen, mon empereur, d'attaquer à Rennes les 4000 qui traînent? Mais je peux pas. Non, c'est ça qui est terrible. Tu peux pas aider un vassal. Ouais.
C'est ça, je peux pas aider, il faut vraiment qu'on soit alliés pour essayer de faire quelque chose. Ouais, mais ça va le faire, ça va le faire. Il a 13 mois, un atout, hop, sans réfléchir, on prend, ça peut être utile. Forcément les terrains de chasse. La guerre, normalement, sera assez rapide. Ah bon, je suis déjà à 61%. Moi, ça va être sanglant, hein. Il y a des têtes qui vont tomber. Faut que je me souvienne de son nom, elle, faut qu'elle tombe. Duchesse Rio en Seine. Vers le colon de Beurt. Ouf, les noms. Ce que je ne fais pas, c'est les agricultures du guerre. Moi, j'ai une bonne nouvelle, j'ai à nouveau 10 000 hommes. Chevalier. Ça me ferait beaucoup de lever perso, mais sans l'argent, est-ce que ça vaut quelque chose? Ça vaut rien du tout. Ouais, sans l'argent, ça vaut rien. Ah, voilà, des champs. Ça y est, ça commence à se construire, ça monte doucement. En fait, mon problème, il est double. Et surtout que je n'ai aucun... J'ai une très très mauvais contrôle comptable. Voilà, c'est simple, hein. J'ai contrôle comptable de 1, de 3, de rien. Voilà, mes comptés... Oh, 3, 9. 6, 3, 15... Il va encore falloir que je retourne à Rennes, c'est pas possible. J'ai 9 mois. Alors, il faut que... J'aille me retenir de faire des enfants vite fait, très vite fait. Alors comme je suis en guerre, je peux même pas voir ce que tu fais, Stan, je suis désolé. Alors, 51%. Tu vas être quoi, toi, Gulnaz? Enfant chef, tu rentres ou martialité? J'aimerais bien que tu sois martial. Tu peux pas changer? Oh, punaise. Qu'est-ce qui t'arrive? Toujours des guerres, toujours des problèmes. Ouais, c'est terrible. Ah non, mais à chaque fois que t'en vires un, paf, il y en a un qui tombe. Et Rennes va tomber. Rennes tombe pire, dans 7 mois. Je suis endetté. Imagine la honte sur ma famille. Y a pas le choix. Sinon, il va attraper ma fille. Allez. 2700 hommes, comment je peux attaquer quelqu'un avec 2700 hommes? En me débrouillant. C'est un peu ce que j'essaye de faire. En trouvant des alliés puissants. J'en ai, mais ils refusent toujours mes alliances. C'est parce que tu veux piquer l'héritier. Ouais, non, mais là c'était n'importe quoi l'héritier. Je cherchais un bon. En fait, je cherchais un bon fiancé pour mon héritière. Ah oui, c'est dur. Et voilà comment ça s'est terminé. Alors, puissance d'alliance. Le prince Roubaud de France, c'est ça, en plus c'est mon neveu. C'est pas consolidé. Hop là. Bon, je joue un peu au salaud. Ah ouais, d'accord, il y a même mon frère de Bretagne qui se révolte, ou mon oncle, ok. Bon, j'ai tué un peu des gens, j'avoue. Je me suis pas privé. En érudition, on peut obtenir esprit focalisé. Vous obtenez du zèle. Personne ne m'aime. Ah ouais, un truc en érudition, ça pourrait être sympa. Ferait gagner du temps. Ah, mes troupes sont toujours tellement affaiblies. Est-ce que je peux attaquer maintenant? Bon, allez, les paysans en plus, c'est un peu compliqué là en ce moment. Je suis un vrai sadique, hein, en fait. Parricide dynastique? Oh, c'est exagéré. Un peu quand même. Parricide dynastique, quoi, c'est encore pire que tout, tu sais. Alors, dynastique, c'est loin d'être pire que tout. On apprend dans le sang, hein, y a pas de secret. Le pire que tout, c'est parasite familial ou... Dynastique, c'est rien du tout, ça.
Oui, mais ça veut dire qu'il attaque en plus la dynastie, quoi. C'est-à-dire qu'il est un loup pour lui-même. Hein. Tout le monde fait ça. Non, je sais pas ça. Ah, dans l'Empire romain, si. Ah, ils ont quand même 14 000 hommes, les révoltés du Bounty, là. Ouf. Encore Toute l'Écosse, là, s'est révoltée. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, patience. Un truc à la fois. J'ai tué deux personnes au hasard, histoire de... Ah non, 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 j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? J'attaque un mec, on me dit qu'il a 1400 bonhommes. Personne ne m'aime, pourquoi? Et en face, il se retrouve... Il y a 8000 hommes en face, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a 8000 hommes en face de moi? C'est des mercenaires, je pense. Au-delà des limites du domaine, je veux bien, mais bon... C'est pas possible. Ou alors, est-ce qu'il est en guerre contre plusieurs personnes? Ah, il est en guerre contre quelqu'un d'autre. Faut que juste que je fasse attention. Un point créé, le titre d'Empire. Et dès que j'ai un homme vassaux, ils sont tous contre moi. Non, mais c'est pas D'accord. possible. D'accord. Donc, faut que je fasse attention à pas y aller, c'est tout. Tu crois que les gens m'aimeront après les guerres? Mais ils viennent sur moi, là. Ils viennent sur moi. Faut que j'appelle à l'aide. Je peux demander pardon. Intrigue. On peut être empereur de plusieurs contrées, ou on est obligé d'être empereur que d'un seul. Ah non, 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 t'as pas le droit, Britannia. Sinon, là, tu perds ton vassal. Bah non, techniquement, si je suis ton empereur. Attendez, de toute façon, t'as pas assez de comté. J'essaye d'appeler à l'aide. Là, tu peux le faire, là, je peux le créer. Ah, mon frère, il voulait s'aider, il voulait... C'est pas vrai. Techniquement, tu vas... l'Empire de Britannia. Taïa, il a créé l'Empire de Britannia. Ah, je crois qu'il m'a fait brûler. Ouais, bah, enfin, attends, il va peut-être me calmer mes prétendants, là, du coup. Non, je l'ai pas fait parce que j'ai pas l'or, mais... Ah, j'ai pas l'or. Ah, ça va prendre 2 secondes. Bah non, je suis en guerre, je suis à moins 0,4 par tour. Oh, ah, bah oui. Puis dès que ta guerre s'arrêtera, hop, Empire de Britannia. Et hop, une couronne de plus dans la famille, félicitations. 25 000 hommes contre moi, c'est possible? Ah oui. Ouais, c'est plus qu'avant. Ça monte, hein. Comment veux-tu que je défende mes terres? Enfin. Il va falloir purger un peu tout ça. Si je survis à tout ça, au bout de 10 épisodes, hein, chapeau. Ah, tu serais plus tranquille si t'étais empereur. Je pense, oui. Pour 2 comtés, quoi, et 1000 pièces d'or, c'est chaud. Ça se passe pas bien, là, ça se passe pas bien. Bon, il y a une duchesse qui m'embête. Ça se passe pas bien. Donc ça, c'est bon. Allez, on remonte par là. Repli. Pourquoi ça se passe si mal? Faut des meilleurs chevaliers. On va les laisser venir sur Rennes. Allez, je peux finir le siège. Tu vas où, toi? À ton char. Est-ce que ça vaut le coup d'attaquer les petits terrains à côté? Non, faut prendre les principaux. Hein. Je perds du temps, là. Ça dépend. Bah disons que tu devrais plutôt te consacrer à comment progresser de statut que rester roi toute ta vie, quoi. Bah ça peut le faire. Techniquement, t'as pas besoin de plus de terres pour être empereur. Hein. Ah, et si, il me manque 2 comtés. C'est tout ce qui me manque techniquement. Je sais bien, mais quand tu les auras, ça sera problématique. Ouais. Il faudrait que calme tout le monde. Négocier, tu sais que tu pourrais négocier un départ. Hein. Est-ce que tu veux vraiment te barrer et devenir empereur? C'est tout seul, surtout qu'après t'es tout seul en tant qu'empereur. Oui. Pas forcément tout seul, t'as des alliés. On pourrait devenir alliés, du coup, empereur. Le oui, Saint-Empire, enfin, l'Empire byzantin. Tu vois, ça fait beaucoup de querelles, hein. Arrêtez de me torturer quand je suis en train de me survivre, là, pour l'instant. Bon, ça se passe bien. Pas, tu crées du chaos. Oui, bah, mon chaos. C'est ton truc, tu cherches à croire ton ambition, le de stabiliser ton peuple, alors que t'arrives même pas à tenir la Bretagne. Non, ouais, quand même, que pour le coup. Si, si, pour le coup, ça se passe très bien. Oui. Il y a un épisode, on n'attendait pas ça. Hein. Ah non, les compagnies mercenaires, non. Demi-tour.
Pourquoi il gagne d'ailleurs? Tiens, faudrait que je regarde. Parce qu'il a des arbalétriers. Moi, j'ai pas d'homme d'armes. Alors, il y a déjà une guerre de terminée. Cool. Voilà. Maintenant, il me reste quoi? Ah, ça change. J'arrive, mes alliés, là. Ah, les voilà. Je peux demander pardon, toujours pas. Super, j'ai un fils. J'ai toujours trop de duchés. Faudrait que je m'en sépare. Bah, je pourrais donner l'un des duchés à une de mes filles, tiens. On est à tirer le duché de Palestine. Il faudrait que j'aille régler un compte à des paysans aussi, qui sont un peu trop partout. Outre-Jourdain, Palestine. C'est Outre-Jourdain que je pourrais donner. Alors, révolte paysanne, ils sont que 2000. Ah. Et ceux que j'affronte là, ils sont 20 000. Bon, ça va. Je peux pas lui donner de titre. Je peux donner de titre à personne. Oh, mon amie est morte. Triste. Ça donne du stress, ouais. Voilà. Hop. On va monter un peu les troupes. Voilà. Et maintenant, je peux relever. Et aller si juste à là-bas. Pourquoi c'est ma capitale? Pourquoi c'est pas Jérusalem ma capitale? Ok. Inconstant. Oh, des jumeaux. Inconstant, c'est bien. Oh, ils me font du chantage en plus. Ça y est, on a des enfants à marier. Ah bah c'est ah bien. Enfin. Ça dépend qui, quoi, comment. Ah bah ils ont un an, je nourrisson, j'ai pas regardé ce que c'était. C'est pas mon fils hein, pas touche. J'ai une fille à marier. Je vais regarder ce que ça vaut. Ah bah ils sont bien. Allez les paysans, voilà, c'est neveu, le Benoît là, intelligent, magnifique, ça me va. Qui est-ce qui m'appelle à la gare? Mais il va se faire voir. Alors là, l'autre, je l'ai appelé à la guerre, il est pas venu. Et deux secondes plus tard, il me propose de m'appeler à la guerre. Le petit Benoît, ouais, il irait bien avec ma mairie. En matrilinéaire, tu lui donnes pas, tu vas le déshériter, on est d'accord? Bah, j'évite d'habitude, mais bon. D'accord. Bah, je te propose en matrilinéaire, parce que moi je peux pas déshériter. Donc oui. J'ai pas le choix. Moi, j'ai plus le contrôle sur ma dynastie. Mais par contre, ma dynastie progresse bien, mais bon, bah, sans moi. Ouh, ça coûte cher. Voilà, le roi Ponce, c'est... Voilà, oh là là, attends. Pause. Alors, ça on s'en moque. Alors, j'ai eu une demande de mariage, mais je veux voir qui je veux marier exactement. Faut que je regarde mes enfants. Pas de soucis, moi j'ai le temps. De toute façon, je vais pas t'appeler à la gare tout de suite. Alors... Et quand bien même je le ferais, tu viendrais pas. T'accepterais puis tu viendrais pas, donc ça change rien. Petite idée, non, moi je suis quand même de parole. Oui, non, mais là, si t'es pas au courant à l'avance que je te demande par oral, tu vas pas cliquer sur un bouton pour dire je viens et puis ensuite t'es envoyé tes troupes sans avoir vu d'abord de quoi on parle. J'imagine. C'est une grosse connerie, ça, c'est ce que je suis en train de faire. Prince Benoît, il est magnifique et intelligent. Un bon fils. Et l'autre, c'était comment il s'appelait, mon deuxième? Votre fils, il est maladif, vif et magnanime. Ouais. La 7, elle? N'importe quoi. Je pense que c'est plutôt Roubaud que je vais... puisqu'il est... il est maladif. Donc il va pas survivre peut-être forcément très longtemps. Ouais, mais moi je cherche un mari pour faire des... C'est pas l'alliance que je cherche, c'est un vrai mari pour faire de la génétique. Ouais, mais il est bien, il est juste maladif, mais il est magnanime et joli. Hein. Ouais, je vais aller voir ça. Joli, ça m'intéresse pas. Non, mais il est magnanime et intelligent, je crois. Ça m'intéresse pas non plus. Ah bah... Il faut qu'il ait forcément un trait de niveau 3, sinon ça m'intéresse pas. Bah, intelligent, c'est niveau 3. Ah bah voilà, alors il est pas intelligent, il est génial. Non, il est génial, c'est le dernier, c'est un plus 5. Oui, mais c'est le niveau, oui, c'est le troisième niveau génial, c'est ce que je veux. T'es sûr?
Parce que Ah t'as, au bah. début, tu as le plus 1, après t'as un plus 2, non? C'est pas plus 1, plus 3, plus Plus 1, 5? plus 3, plus 5, ouais. Ah oui, c'est un niveau 2, ouais. C'est un Alors, niveau 2. puissance d'alliance. Même pas, c'est un vif, en plus, un plus 1, Ah c'est bah je suis fou. plus allié avec la Bretagne, on va recommencer. Tiens, ton petit gubriste Mac O'Connor de Bretagne. Oui. Je te le propose, il n'est pas hérité de quoi que ce soit. Si, c'est mon héritier. Oh merde. Le Bon bah tant pis. gueuriste, non, tu peux pas. Non, j'ai qu'une fille à marier pour l'instant. Tu D'accord, bah on regardais. n'est pas prêt de se marier, moi j'ai 4 filles. Alors, Est-ce qu'on peut refuser un mariage? bien sûr. Ah bah je ne Tu peux peux pas, j'ai pas l'option. briser les fiançailles d'abord. Alors, mon neveu. Alors, tu m'as dit que tu avais un neveu maladif, c'est ça? Ouais, il y en a deux qui m'intéressent. Il y a Benoît, Roubaud, je peux pas. Et en France, je vois que ça. Hein. J'en vois que deux. Hein. Je vois que Benoît et Roubaud. Hein. Oui, j'ai que ces deux-là, malheureusement. Donc, Et... Bon, Bon bah bon. tant pis, je repropose pas. Hein. Ouais. Mais là, je veux faire mon héritier, je pense, donc... Alors, ici, ça donne quoi? À moins 100, mais c'est pas grave, il fait le boulot. Moins 12, 62, ici. Ah! Il faut augmenter le contrôle. Très bien. On va augmenter à Gaza. Maintenant. Excellent. Est-ce que j'arrive à augmenter mon argent? Pas tellement. J'ai des vassaux qui me Oh, payent un c'est peu. chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Moi, j'ai du mal à... Moi, j'ai du mal à progresser. Faut des J'arrive sous, plus plus de sous. à... Voilà. Votre fille. T'as pas des sous à m'envoyer, toi, là, Breton? Ah, j'ai plus rien, j'ai une ruine de guerre, t'imagines même pas. File-moi des sous, toi, la France, hein. T'en as plein. Non, je peux pas parce que je construis le... Je fais l'empire de Grande-Bretagne. Ça y est, t'as déjà largement ce qu'il faut. Alors, si je marie Tu une fais rien, tante. c'est toi qui as mis Je la veux bien pause, te hein. faire un cadeau si tu veux. Ouais, Juste un je veux cadeau bien, pour merci. les Ça fait une relations ferme. diplomatiques. Un cadeau, ça fait une ferme. C'est trop gentil. C'était où déjà ton Jérusalem? C'est ça? Merci. Ouais. Je te le revaudrai, mais dans très vraiment longtemps. T'es tout petit. Bah oui. Mais on plante, croyez-moi, on plante. On plante, on va grossir. Il Jaffa, paraît. c'est à toi aussi? Eh oui. De quoi? Eh oui, t'as aussi Jaffa. Jaffa? Je sais pas ce que c'est, Jaffa. Voilà, c'est un truc. Ça me parle pas, hein. Alors, j'arrive pas à te donner des cadeaux. Comment on fait déjà? Bah, on est gentil, on me clique dessus, J'ai on. séduire, nouer, amitié. J'ai assassiné, mais je négocie une alliance. Je peux négocier une alliance avec toi. Bah, Sans arrête. truc. Mais je peux pas t'envoyer de cadeau. Donc, je négocie une alliance. Tu T'es trop fais loin, je autre, crois. toi. Non, à haute, là, rien. Pourquoi on pourrait pas envoyer des cadeaux? Moi, c'est normal, Je j'ai sais pas de pas. sous. On cherche, on cherche, on cherche. Dans haute, j'ai séduire, nuire d'amitié, courtiser, proposer une pupille, proposer une tutelle. Voilà. Oh bah mince, tu veux pas me séduire? Négocier une alliance et c'est tout. J'ai pas de cadeau. C'est rigolo. C'est la première fois que je vois ça. Non, bah tant pis, merci, t'es gentil. T'es pas obligé d'accepter, hein. Bah, de toute façon, je peux pas accepter si tu ne l'envoies pas. Bah, c'est T'as normal, on déjà est en pause. rejeté. Ah, t'as déjà rejeté une offre d'alliance. Ah. Ah, une alliance, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. Et maintenant, tu peux m'envoyer un cadeau. Pardon. Maintenant, tu peux m'envoyer un cadeau. Ah bon? Eh ouais, quelle chance tu as. C'est génial la vie. T'es privilégié. Voilà, j'ai des alliés. C'est parti. Ouais, il faut que tu travailles tes alliances et que tu aies des alliances puissantes, hein. Parce que quand tu te retrouves tout Ah seul comme ça dans ta guerre pour gérer ton pays. j'ai vendu une tata, donc ça va, j'avais une célibataire encore dans le coin. Voilà, mais ils sont. Je voudrais pas critiquer, mais t'as quand même l'Aquitaine qui a 10 000 hommes et l'Aragon qui a 9 000 hommes, hein. Ah oui, il Je paraît. vous ai pas laissé des. Je vous ai pas laissé des gnognottes, hein. On va espérer y arriver. Moi, j'essaye de m'agrandir un petit peu là. Je fais surtout attention, du coup, j'ai combien de gens qui vont aider là? Je revois un peu ce que j'ai en alliance. 5 000 hommes.
Et l'autre, 1000. Ouais, ça fait 6000 hommes en plus. Bon, c'est déjà ça. Ah, purée, je me suis trompé de duché. Eh ben voilà. Du coup, j'ai pas fait les sièges où il fallait. Eh ben ça, c'est dommage. C'est pour ça que la guerre avançait pas, je comprenais pas. T'sais, c'est long quand même. J'ai l'objectif de guerre. Pourquoi? Ok, il y a quelqu'un qui était venu pour ça. Moi, je remonte péniblement la loyauté dans mes comtés. Il faut vraiment que je trouve que j'aille m'entraîner pour ça là. Alors pour remonter, est-ce que c'est pas martialité? Ouais, le contrôle comtal. Voilà, augmentation du contrôle. Alors que je fasse un peu de martialité là. Ah, promouvoir la culture. Ah, si je réussis, on a fait de la thune. Prisonnier capturé. Excellent. Personne va en Bretagne, non, ça va pour l'instant. Plutôt revenir là. Alors, et si on faisait une alliance, le breton? Essaye de trouver. Une alliance. Essaye de trouver. T'es venu tellement m'aider. Tu veux prendre ta princesse, peut-être? Ah, pour 1000 pièces d'or, oui. Ah non, elle est Amazon, quoi. Réfléchis, Tekamon, une alliance, ça n'empêche pas qu'il ne peut pas t'aider dans tes guerres internes. Hein. Si, mais il a d'autres trucs. Par exemple, pour le truc de Royaume de Jérusalem, je pourrais le faire. Je pourrais le faire aussi pour la petite merde qu'il y a avec le Saint-Empire romain. Et puis, ça te permet d'être plus fort aussi. Voilà, ça l'aide lui. Ben non, ça l'aide lui aussi. Hein. Je veux dire, regarde, depuis tout à l'heure, il me dit pourquoi tu peux pas me rejoindre. Mais tu vois, il avait une alliance, j'aurais pu. Non, t'aurais pas pu. Dans ces gardes internes, tu ne peux pas. Oui, ça dépend de laquelle interne c'est. Voilà, c'est... Par contre, ça peut lui permettre de plus facilement de s'étendre à l'extérieur. C'est ça. Oh, j'ai tellement de gens en prison. Regarde, j'ai le Danemark, j'ai déjà un pied à terre au Danemark. On peut choper un bout de la Suède, du Danemark, de la Norvège. J'ai même un bout, je crois. Ah non, c'est pas moi. Chanceux. Il y a eu un moment, t'as eu un bout. J'ai toujours. Hein. T'as eu un bout à Jérusalem. Non, même pas. Bah non. Bah ici, tu m'as tué. Si, tu m'as tué. Non. En fait, elle était indépendante. Le royaume qui a été créé était indépendant. Ouais, mais c'est un peu ma dynastie. C'était un peu. Un... Ouais, non, mais c'était ta dynastie, mais c'était pas dans ton royaume du tout. Alors. Mais ils avaient des duchés, oui, des petits duchés. Mais ils étaient pas du tout loyal à mon changement de religion. Je sais pas pourquoi. Ils ont pas voulu. Enfin, si, ils ont voulu me suivre, mais ils ont absolument voulu continuer à contrôler les terres. Et ça, c'était compliqué. Non, mes alliés se font défoncer. Toujours plaisir d'avoir des alliés, quoi. C'était vraiment le mec qui a du bol. J'ai des alliés, d'accord, ils sont pas. Comment ça, le comté de Penthièvre m'appartient plus? Pourquoi? Parce que. C'est quoi cette histoire? Ça va être de plus en plus beau ici. Il faudrait peut-être que je fasse des bâtiments comtaux. Hop, 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 hop. T'as la pause, hein, si t'as envie de faire hop, 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 autrement que. Non, mais je comprends pas pourquoi c'est parti en sucette le comté de Penthièvre, là. D'un coup, comme ça. Penthièvre, il est où? C'est lequel? Bah, c'est en Bretagne. Ah ouais. Non mais c'est quoi ce délire? Là c'est une déclaration de guerre. Bon, j'ai beaucoup trop de guerre, mais ça va venir. Non. Il est quoi? Il est indépendant? Il fait quoi? Mais je comprends pas comment il a pu sortir. Je déclare la guerre, hein. T'inquiète. Oh putain, mais il y a trop d'événements toutes les 5 secondes. Ma belle-sœur, la despote, machin, a été emprisonnée. Bah oui. Il va me tuer. Par le badinus. Il va. Bah ouais. Et j'étais à un d'amélioration de pouvoir m'en sortir. Bon, si je fais une paix blanche, je perds pas mes terres, hein, normalement. Attends. Il faudrait m'envoyer vite des sous. Vite des sous. C'est de la survie. Je vais me demander une paix blanche, c'est un fait. Si j'ai des sous, je peux sortir de prison avant qu'il me tue et qu'il m'enlève tous mes titres, vite. Des bon, sous. Oui, attends, stop, t'as mis pause. Non, mais me pause. Ça y est, j'ai rien reçu.
Bah oui, excuse-moi, attends. Je t'ai créé la guerre pour le roi Conan pour choper la Bretagne, déjà. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer vite des sous? Si je paye 200, je sors de prison avant qu'il m'exécute. Alors, envoyer un cadeau. Attendez, j'ai pas besoin. Je vais annuler un bâtiment. Si, c'est bon, je t'en ai envoyé 150, mais ça pourra pas tout payer. Si, ça va suffire. Okay. J'ai le reste. Alors attends, parce que maintenant il faut que je me fasse rançonner, voilà. Ça y est, il voulait juste 200. Complètement ouf, cette histoire. Alors, bon, j'ai déclaré la guerre à ton nom pour la Bretagne. Merci. Ça, c'est bien, ça. Ça y est, il m'a relâché. Il commençait à apprécier ma compagnie. Bah oui, moi aussi, je commençais à l'apprécier. Il faut vraiment que je monte ma relation avec lui. Hein. J'étais à plus 55, j'étais à deux doigts de pouvoir réclamer le pardon. Bah maintenant, je suis pardonné, ceci dit. Hein. On va abandonner l'assassinat. Il peut plus m'emprisonner. Eh bah, du coup, j'ai fait une paix blanche, hein, tellement c'est chaud. Bah, t'as fait une paix blanche? Ouais. Excellent. Non, c'est pas excellent. C'est pas excellent. Allez, on disperse tout. Une paix blanche avec qui? Avec mes révoltés, je garde un peu quand même l'Angleterre. Ah oui. Je réfléchis. J'ai perdu beaucoup ou pas? Ah, parce qu'il y en a qui est devenu empereur de Britannia, c'est qui? C'est non, moi. Mais... Ah, l'enfoiré. Et on va s'arrêter là. Ah, l'enfoiré. Bravo au double empereur de France et de Britannia, Féa et son sbire, le larbin Técamon. Ouais. Mais grâce à ça, je vais pouvoir te redonner à peine Tièvre. Voilà. Ouais, ben merci, voilà. Je suis content. Ben, il en est content. Ouais, je suis content, tu parles. Le duc de Vannes. Ouais. Non, mais ce que je vous propose par contre, c'est que je vais avoir une gestion tellement longue, j'ai 29 prisonniers à gérer. Ouais. Tout le monde m'aime, tout va bien. On va se faire un café, on va se faire un petit thé, on va laisser passer 10 minutes entre les épisodes. Allez, pause, salut tout le monde. À plus. À plus.